Parlons de distinction dans ce journal. Le collège privé Vision Future a célébré la deuxième édition du prix de l'excellence et du mérite. Ils étaient nombreux à prendre part à cette cérémonie. Élèves, parents d'élèves, enseignants. Le reportage de Diego de Silva, commenté par Michel Brou. C'est un amphithéâtre du collège privé Vision Future, plein à craquer. À l'intérieur, les bacheliers dans leur toge, tous impatients de recevoir les prix d'excellence pour l'année scolaire 2023-2024. Avec eux, les parents d'élèves, les enseignants, les administrateurs et le fondateur, éloge Yao Degoué. Depuis la construction de l'établissement que nous avons initié cela, pour accompagner le président de la République, qui aime bien tout ce qui est excellent. Et pour ça, il forme autour de lui des hommes et des femmes capables pour l'accompagner. Donc nous aussi, on veut suivre les traces pour qu'on puisse prôner l'excellence. À Vision Future, parmi les élèves célébrés, Kouti Delaya Tabita avec 306 points au bac série D, meilleure bachelière de la direction régionale de Bassam. Elle a remporté le super prix de l'excellence. La somme d'un million sur 3 ans pour chaque rentrée scolaire, soit un total de 3 millions de francs CFA. Les parents ont exprimé leur joie pour la cérémonie d'excellence à Vision Future. L'excellence, c'est l'effort qui est fait à tout le monde. Et aux enfants, nous avons dit d'être passionnés, d'être acharnés dans le travail. C'est dans l'abnégation qu'on arrive à aboutir à l'excellence. Et la détermination du travail fait et bien fait est le résultat que nous avons célébré aujourd'hui avec tous ces enfants qui ont eu le prix qui vont dans de grandes écoles de la Côte d'Ivoire. Créé en 2019, le collège privé Vision Future continue de s'imposer comme une institution d'enseignement de premier plan. Couvrant les niveaux préscolaires, primaires et secondaires, il incarne l'excellence. Voilà, ça s'applaudit, hein? Ça s'applaudit.